Les sombres sont venues bien plus tard, depuis les jardins. Les sombres, immenses, dépassant d'une tête l'homme le plus grand. Des créatures de cauchemar, aussi laides que des hommes éventrés. Des monstres nés pour nous détruire. On disait qu'ils étaient si forts et si redoutables qu'ils pouvaient déchiqueter des hommes à main nue. Joseph. Tout était faux. La vérité est plus terrible encore. Ben, j'habitais le coin avant. Enfin, avant la guerre. Là-haut. J'étais dans le train quand c'est arrivé. J'ai tenté d'appeler ma famille, mais j'ai pas pu les joindre. Yes. Qu'est-ce qui s'est passé? Merde! Artyom, debout! Artyom, c'est moi, Khan! Des cauchemars, hein? Pas étonnant avec tout ce que t'as vécu. Écoute, j'ai des nouvelles incroyables. Il y a quelques jours, j'étais près des ruines du repère des sombres, et j'en ai vu un encore en vie. Je me suis mis à ta recherche parce que c'est toi qu'ils ont tenté de contacter avant que tu lances les missiles contre eux. Khan! Bordel, comment t'es rentré? Tire-toi! Vite! Oui, Ullman, une seconde. Si un sombre a survécu, tu dois absolument lui parler, Artyom. Maintenant que t'es dans l'ordre, tu obéis à Melnik. Mais on doit le persuader d'autoriser cette mission. Khan, je t'ai dit de dégager. C'est une base secrète ici. Tu devrais même pas être là. Je t'amène au colonel Melnik. Suis-moi, Artyom. Prépare-toi, Artyom. Je t'attends à la sortie. On se dépêche, Piplette. J'ai connu un fumeur. Pendant la dernière année de sa vie, il a dû bouffer, boire et respirer via un trou dans la gorge. À l'époque de Stan. Salut Artyom. Artyom faisait partie des gars qui ont trouvé le D6. Ils lui ont filé l'insigne de Ranger, directement. C'est cool pour lui. Moi, j'ai dû passer 2 ans comme cadet avant qu'il m'accepte dans l'ordre. Ouais, enfin, on en était où? Et D6 les a sauvés? Non, ils ont pas pu arriver à temps. C'est resté comme ça 30 ans, jusqu'à ce que Nogal trouve. Tout était intact à l'intérieur. Les armes, les médicaments... On continue à arriver. C'est un vrai coffre au trésor. Ouais, allez, 5 séries de 30 supplémentaires. Vous avez entendu ce qui est arrivé? Regardez-moi ces deux bleus. Minables. Pas étonnant que le colonel ait doublé l'entraînement. De la bibliothèque Lénine. Bébé, on se bouge. Garde le dos droit. Et Romanov est le seul à s'en être tiré. Ma gueule. Tous les autres, ils sont morts. Les marais, c'est rien. Suffit de chercher les balises et les drapeaux. Les suivre pour pas se noyer. Un gamin pourrait le faire. D'accord, les crevettes sont toujours très chiantes. Mais franchement,
Qu'est-ce qui a pu descendre une escouade entière? J'en sais rien. Ils ont trouvé Romanov seul dans l'église en train de prier sur le sol. Depuis, il mange plus, il réagit plus, il s'adresse juste à Dieu. J'espère que Romanov attend pas de réponse. Oh oh. On m'a raconté ce que t'as fait. Chapeau, mec. Il paraît qu'il y a des saletés dans les marais, et peut-être pire que les sombres. Évite cette zone. T'as fait un sacré beau barbecue avec les sombres. Quoi que les gens disent, les Rangers ont eu raison de t'accepter dans l'ordre. On a besoin de gars comme toi. Le voilà, notre héros. Salut Artyom. Bienvenue à l'Arsenal. Ah, t'es un Ranger maintenant? Faudra qu'on prenne un verre pour fêter ça. Pour l'instant, on va t'équiper. Bon, procédons par ordre. Tu vas avoir besoin d'un masque à gaz. On peut pas faire un pas à la surface sans masque à gaz. Ça fait 20 ans, et les radiations sont toujours assez fortes à certains endroits pour faire bouillir de l'eau. Il y a des points chauds. N'oublie pas les filtres pour le masque. C'est sûr que le masque est cool même sans filtre, mais c'est meilleur pour la santé. C'est quoi, bordel? Bon, les Medipacks, qu'est-ce que je peux dire? Il y a tout pour survivre dans une valise orange très stylée. Voilà ton avance sur salaire pour ce mois. T'es payé en balles militaires. Tu peux bien sûr les utiliser comme munitions classiques pour faire plus de dégâts. Mais il peut être plus judicieux de les économiser pour acheter des armes, des accessoires, des munitions standards et du matériel auprès des marchands. Allez, passons aux choses sérieuses. On va trouver les flingues. Prends ceux que tu veux et scelle-les sur mon champ de tir. Quelqu'un a vendu la mèche. Les stations rouillent de rumeurs plus dingues les unes que les autres. Ouais, de la bouffe pour 10 millions de gens, des super armes, des machines secrètes. Ils disent qu'il y a une radio en bas, assez puissante pour contacter les frontières de Sibérie, où le président et le gouvernement sont planqués.
paraît être irradié ici. C'est pas possible. Mais non, là-bas, ça craint rien. Au moins l'endroit où on est. Ils ont tout vérifié. Hier, avec le commandant, on a vérifié les portes. Il y en a plein encore scellées et d'autres qui sont bien soudées. Quelques-unes paraissent même être fermées de l'intérieur. Et alors? Alors, il y a des merdes radioactives derrière certaines d'entre elles. Assez chaudes pour faire cuire un œuf. Je me souviens pas du dernier œuf que j'ai mangé. Bon, il y a un coin ici, non? De l'autre côté du complexe. Je sais pas si c'est sûr. Peut-être que cet endroit est un refuge. Et quoi d'autre? Aucune idée. Je toucherai pas à ces portes-ci. Putain, Zip. Laisse-moi cloper en paix. J'étais en faction dans la salle de crise hier et j'ai entendu un truc. On dirait qu'il y a du grabuge qui se prépare. Qu'est-ce que tu racontes? Les Rouges se mobilisent. Ils ont recruté des vétérans, des écoliers. Direction les camps d'entraînement. Moi, je te le dis, la guerre arrive. Et qui ils vont affronter? Les ennemis habituels, sûrement. Les fachos. Ça me fait penser... nos sentinelles, là-haut. Et les trois groupes de reconnaissance de Stalker. Bizarre. Les fachos sont jamais sortis en si grand nombre avant. Trois groupes, tu dis? Où? Deux des escouades sont venus pas loin. Serge les a vus. Les fachos ont vérifié les aérations, les sous-sols. Comme s'ils cherchaient une entrée. Merde. Tu crois qu'ils savent pour des six? Je sais pas. Peut-être. Mais ça sent pas bon. S'ils essayent d'entrer, ils sont foutus. Mais le nick a triplé la garde. C'est vrai. Il sait pour les fachos. Mais si on élimine les éclaireurs, ils en enverront d'autres. Et si jamais ils entrent, tu crois que l'ordre pourrait retenir les fachos? Doucement. L'ordre reste neutre. On est les gardiens de tout le métro. On protège les humains des monstres et des mutants. Quel état oserait nous déclarer la guerre? Laisse-moi finir l'histoire. Il y avait un troisième groupe de fachos, tu te souviens? On l'a vu à la VDNKH, à la surface. On avait des sentinelles là-bas. Ils faisaient leur rapport. Ils ont dit que les fachos les attaquaient. Et la ligne a été coupée. Quoi? Rost est porté disparu? Il a pas disparu. Il a été retrouvé mort, tout comme Scalpel. Une douzaine de balles chacun. Plus une balle dans la tête. Merde. C'était son anniversaire la semaine dernière. On a pris un verre. Quel genre de salopard a bien pu lui faire ça? De quel enfer? Un expert de l'enfer. Fais pas attention à ce clone, Alex. Ouvre les portes! T'as entendu pour les Snakes? De quoi tu parles? Demande aux gardes du laboratoire. Ah merde! Qu'est-ce qu'il a fait? Parfait, allons-y. Les tombes des anciens rois étaient remplies de tout le nécessaire pour vivre dans l'au-delà. Des armes, de l'or, des chariots. Ils sacrifiaient leurs épouses et leurs esclaves pour qu'ils les servent dans la mort. Ça me rappelle ce bunker. Arrête tes conneries! Dans D6, ça ressemble à ce qu'un guerrier prenait avec lui pour vivre dans l'au-delà. De l'acier, des étalons sauvages et des trésors incroyables. Bien sûr, les pillards périssaient d'une mort atroce, tués par des démons, des fantômes, leur avarice. Cal, tu vas la fermer, ouais. Hé! Il paraît que Lesnitsky a fait quelque chose! Qu'est-ce qui s'est passé? Personne le sait! Lesnitsky était dans le labo. Quand la relève est arrivée, la porte était ouverte et le labo dévasté. Lesnitsky avait disparu. Merde! Alors, il y a quoi de temps? Des armes chimiques, peut-être d'autres saloperies. C'est tout ce que je sais. Bordel de merde! Le colonel va me massacrer à cause de Lesnitsky. Il va littéralement m'arracher le cœur. Enfin, ce qu'il en reste. Parfait. Allons-y. On pourrait contrôler T6, mais c'est comme une putain de ville ici. Avec tous les bunkers, les tiers-coins et les issues. Mais bon, c'est une base que l'Ordre rêvait de trouver. Les gars viennent juste de revenir du ZER. Ils disent que Hansa renforce les effectifs tout au long de la ligne. Surtout à proximité des fachos. Je viens de quitter une réunion. Deux équipes d'assaut fachos ont attaqué les Rouges quelque part à la surface. Mais pourquoi ?
J'en sais que dalle. Qu'est-ce qu'ils foutent à la surface d'abord? Ils sortaient jamais aussi nombreux avant. Le QG pense qu'ils essaient de s'infiltrer ici. On ne pouvait pas garder le secret pour toujours. Maintenant, ils fantasment tous sur D6. Ah, on dirait qu'on va devoir partager. Avec des loups affamés? Ils vont te partager, toi, mon pote. Ils vont se bouffer entre eux. Ils ont jamais touché à l'ordre jusqu'à présent. Parce que l'ordre était comme un hérisson. Il n'y a pas de viande dessus et c'est trop difficile à choper. Et maintenant, on a plein de viande. Et ils veulent tous leur part. Vous avez entendu Pascal Pellerost? Ils disent que c'est les fachos. Grosse erreur. Melnik oublie pas ce genre de truc. On va trouver les coupables en un rien de temps et jusqu'au dernier. Et ils pourront faire leur prière. J'ai le même sentiment qu'avant la guerre. Pendant l'été, quand un orage se préparait, l'air était lourd et humide. J'étouffe. J'avais 2 ans quand la guerre a éclaté. Tu parles d'orage, mais moi je m'en souviens même pas. Demande si mon fils connaît le mot pour orage. Melnik a ordonné que tous nos hommes se rassemblent sur cette base. À la maison. Écoutons ce qu'il a à dire à cette assemblée. J'ai un mauvais pressentiment. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Melnik quand on a trouvé des 6? Avec ses trésors, avec ses armes, on redeviendra des hommes, on reprendra la surface, on la débarrassera des mutants. Et voilà où on se retrouve. Tu t'attendais à quoi? Si des affamés sentent de la bouffe, ils peuvent se tuer pour une bouchée. Franchement, ça m'obsède. Le métro entier a une chance de trouver le salut, et tout ce qu'on peut faire, c'est se battre pour lui. Ivan, c'est pas nous, c'est eux! L'ordre protège des 6. On est ses anges gardiens. Les anges mettent pas des mitrailleuses à chaque entrée pour massacrer les intrus. Tu veux dire les voleurs? Et nous, on est le bras armé de la justice. Hé hey, quelqu'un sait ce qui se passe ici? Pourquoi on nous a fait venir? Il paraît que les Rouges se mobilisent. Hanza aussi, peut-être. Comment? On raconte que les Rouges envoient leurs agents à Hanza via des stations neutres. On dirait qu'ils mijotent quelque chose. Il paraît que les fachos fouillent nos abords de notre trésor. Ils savent ce qu'il y a ici, toutes les armes et le reste? Eh, petit génie, s'ils croyaient que c'était une usine de couches, ils s'y intéresseraient pas. Et s'ils trouvent les entrées et qu'ils attaquent le bunker? Chacun de nous vaut bien 5 rouges. Et le taux de conversion des fachos est plutôt favorable. T'oublies que la ligne rouge compte 15 000 personnes. Ils sont assez nombreux pour tout écraser. Putain, on est combien? 200? Des centaines. Des milliers. Arsenie, voilà le seul chiffre qu'il faut savoir. 0. On se battra tous jusqu'à la mort. Jusqu'au dernier. Exactement. Une guerre sans vainqueur. Herman, amène ces gars à Melnik. Il les attend. Oui, chef. Parfait, allez-y. J'attends ici. Quand vous serez partis, je parlerai à Melnik. Le bombardement des sombres est sûrement la pire erreur de l'humanité. Et s'il ne voulait pas de mal, mais qu'il tentait de communiquer... Peut-être que la forte douleur et la perte de conscience engendrée par leur présence voulaient dire qu'on était incompatibles. On est juste des machines différentes. Mais étrangement, Artyom, tu as les mêmes circuits qu'eux. Tu as un lien avec les sombres. Oui, des gens sont morts avec des NKH, ta station de régime. Hunter, le meilleur de l'ordre, est sûrement mort aussi. Et il t'a appris ceci. Si on ne se bat pas pour nos vies dans ce nouveau monde, on sera dévoré. Il est piraté. C'est la loi d'Illusion. Qui est-ce qui une ligne de com? Mais à mon avis, les vieilles lois ne s'appliquent plus. Reprends la surveillance. Reprends la surveillance. Parfait. Artyom, et toi, Khan, vous avez quelque chose à signaler? Oui, colonel. Essayons de faire bref. J'ai localisé un sombre en vie dans les jardins. Quoi? Un de ces trucs vit encore? Par chance, oui. Par chance? Khan, c'est de la folie pure. Les sombres représentaient la plus grosse menace pour l'ordre. Colonel, laissez-moi une chance. Un sombre seul est inoffensif. Artyom a un don. Je crois qu'il a établi un contact avec cette créature. Laissez-le venir avec moi. D'accord. Artyom, va au jardin avec Khan et localisez le sombre. J'enverrai un sniper avec vous. Un de mes meilleurs. Anna? Oui, monsieur. À quoi servira un sniper? À éliminer la créature et finir le travail de l'ordre. Melnik, c'est pas... C'est un meurtre! Arrêtez-le! Pauvre idiot, vous refaites la même erreur!
On en a terminé. Escortez Khan hors d'ici. Artyom, c'est ta dernière chance de te racheter. De dire adieu à tes cauchemars. Oublie Khan. On dirait qu'il a approché de trop près la créature et qu'il a perdu l'esprit. Écoute-moi, Artyom. Termine la mission et reviens vite ici. La guerre approche, et j'aurai besoin de tous les Rangers à leur poste. À plus tard. Alors, qu'est-ce que t'attends? Viens donc, mon lapin. Artyom, si c'est vrai que les Sombres te repèrent, tu peux le faire sortir de sa cachette pour qu'Anna ait une bonne cible. Mais sois gentil. Ne laisse pas le Sombre lire dans ton esprit, ou Anna aura deux cibles à tuer. C'est bien compris? On suspecte Lesnitsky d'avoir été un agent dormant. Mais nous ne savons pas qui l'emploie. Votre boulot consiste à l'intercepter avant qu'il livre le conteneur volé. C'est compris? Oui, chef. Si Lesnitsky s'enfuit avec le conteneur, tout le métro sera en danger. Si vous pouvez pas le prendre vivant, vous avez intérêt à me rapporter sa tête. Oui, chef. Rompez. Tu crois à ces conneries de paix avec les Sombres? J'aurais bien aimé être dans la tour moi-même, pour voir les missiles s'abattre et les cramer dans leur nid. Allez, mon lapin. Tu laisserais vraiment ces trucs entrer dans le métro pour qu'ils s'immiscent dans nos têtes et nous utilisent comme des pantins? On devrait s'accoupler avec eux, pour que les gosses vivent à la surface et se nourrissent de radiation. Putain, on marchande pas avec le diable. Éloignez-vous de la bordure du quai. Le train arrive. Télévision, à regarder les missiles tomber sur les jardins botaniques, transformer la chair en cendres et faire fondre le métal et le verre. Rien ni personne n'aurait pu survivre à cet enfer. Et pourtant, Khan a trouvé un sombre. Ma mission est maintenant de l'éliminer, de finir ce que j'ai commencé. Avant, les trains étaient des trucs ordinaires. Maintenant, ce monorail a l'air magique, pas vrai? Nos gamins sauront pas les faire fonctionner. Et leurs enfants penseront que ça a été fait par les dieux. Parfait. On a atteint la station. Elle fait partie de la ligne métro 2 secrète. On n'a pas encore exploré ces tunnels. On n'a ni le temps ni les effectifs. Alors partez pas à l'aventure. Aussi pendant cette mission. Le courant marche. Ouvre la porte. Je couvre le passage. Super.
T'es pas si nul que ça. C'est bon, on y va. Parfait. La carte indique un point d'entrée de collecteur droit devant. Avance, je te suis. Prends à droite. Il y a un cul-de-sac à gauche. Quelque chose les a l'air. Fais gaffe. Ce truc est rapide. Je pense pas qu'on risque grand chose ici. Super. L'échelle. Je peux encore marcher un peu. Ensuite, on verra si t'es un lapin ou un homme. La surface. Mets ton masque. Arrête de mater mon cul. Il n'y a aucune chance que tu l'aies, mon lapin. Donne-moi un coup de main. Allons à l'entrée principale. On a une bonne position de tir de là. Je peux couvrir beaucoup de terrain. T'es censé être immunisé contre leur influence, c'est ça? Moi, je suis une fille normale, alors je peux pas y aller. Avance et cherche la créature. Je crois que si les sombres t'apprécient tellement, celui-ci te sentira ou fera ce qu'il a à faire et il sortira de sa planque. Essaie de rester à découvert pour que je te couvre. On gardera le contact radio. Et si jamais t'es pris de remords, t'en fais pas, je le ferai. Bon, allez, bonne chance. Qu'on a bien nettoyé cet endroit. Comment tu vas? Est-ce que tout va bien?
Et Artyom, t'as fait du bon boulot. C'est mieux qu'un lapin, après tout. Ok, à gauche, il y a un chemin. Il y a quelque chose au bord du cratère. Un arbre me bloque la vue. Guten Morgen!